temperature rising. High and higher, it's burning through to my soul. Baby, 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 you set me on fire. My brain is flaming and I don't know which way to go. Your kisses lift me higher, like the sweet song of a choir. You light my morning sky with the burning love. Ooh, I feel my temperature rising. Oh purée, ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Je sais, j'ai disparu des radars. Écoute, tout va bien, j'ai un week-end de 3 jours, j'ai du temps pour moi, je vais pouvoir partager un petit peu ma vie de ces derniers temps, de ces dernières semaines. Mais ça m'a fait du bien, tu vois, de couper. J'en parlais avec Manu sur Instagram ces derniers temps et puis j'expliquais un petit peu que j'avais besoin aussi de me retrouver, tu vois, d'être dans ma petite routine. Et puis, puis la vie fait que parfois tu manques un petit peu de temps, t'es pas toujours disponible. Et puis de me couper un petit peu des réseaux et d'être dans ma bulle, de créer. Oh, ça m'a permis de relâcher un petit peu la pression de la vie, tu vois. Et puis, puis juste de me retrouver un peu avec moi-même et puis de délaisser juste quelques temps YouTube, tu vois. Mais là, ça y est, l'énergie revient. Et je pense que j'ai pris pas mal conscience de certaines choses. J'avais l'impression de m'ennuyer un petit peu dans mes vidéos aussi. Et puis, puis voilà, en fait. Moi, je fais toujours des vidéos un petit peu comme des pochettes surprises, tu vois. Donc, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de vlog. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu aimes mon contenu qui est hyper cosy. Si tu ne me connais pas, hyper vintage et slow. Je viens de rentrer parce que j'étais rapidement à Boulanger pour acheter une prise multiprise, tu sais, parafoudre, etc. Parce que tout a sauté hier soir. Donc, ce n'était pas prévu. Et ça tombait bien puisque je ne travaillais pas. Donc j'en ai profité, j'ai fait un petit saut là-bas et je me suis fait un petit plaisir avec une lampe Philips Hue, tu sais, connectée, un espèce de grand tube lumineux d'1,30 m que je suis en train de placer derrière la télévision pour faire une ambiance vraiment chaleureuse le soir. Pourquoi tu manges ton os toi maintenant? Donc bref, hyper satisfait. J'ai acheté une table basse de seconde main aussi, d'occasion chez Ikea. Elle me plaît, elle est super jolie. Elle a ses petits défauts mais ça fait son charme. Attends, on s'installe. Je suis en train de végétaliser mon bureau, tu sais, ce meuble de cuisine de base qui me sert de bureau parce que j'ai trouvé un tas d'idées sur Pinterest pour l'arranger, le customiser. Et mamma mia, il rend super bien. J'ai trouvé des plantes à petit prix. Donc si jamais tu as un sauterne graine par chez toi, n'hésite pas à y aller. J'y étais hier soir, tu vois, juste après le boulot. Et en plus, mon parking souterrain est à ce niveau-là, donc c'est encore mieux, parce que du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai pu aller dans la voiture ensuite avec toutes mes plantes, comme ça. J'ai trouvé une pilea. Tu sais, c'est un type de plante que j'aime beaucoup, qu'on trouve pas partout. En tout cas, ne les achète jamais à Jardiland et compagnie, ça te coûte beaucoup plus cher. 4,95€, elles sont super belles. Celle-ci, c'est ma baby Pilea, elle est en train de grandir petit à petit. Et l'autre est beaucoup plus belle, mais je vais te la montrer. J'ai rajouté des plantes ici. J'ai un espèce de petit caféier aussi, juste là, je pense que tu vois, parce que j'ai le retour caméra en bas. Attends, on surproduit en ce moment, hein, t'as vu ça? Et ça me plaît. Je suis en train de me faire un petit coin déco hyper joli. Je vais te montrer les petites nouveautés aussi. On en profite. Et ce qui a changé, parce que je suis en train de faire du tri. Tu vois, hier soir, j'étais à 23h en train d'enlever du coup ma multiprise qui a sauté et de passer mes câbles, etc. Essayer de faire quelque chose de plus propre derrière parce que je me suis dit, un jour, je vais mettre le feu tellement, tu sais, t'as de rallonges, de multiprises branchées sur d'autres prises, etc. Et je me suis dit stop. Et je pense que la barre lumineuse va être hyper joli derrière. Je t'ai pas filmé quand je suis parti à Boulanger parce que pour les avant-premières Black Friday, c'était absolument noir de monde. Mais au moins, j'ai fait ça en une heure, tu vois. Et il faut que je te montre le résultat. Don't you worry any longer. You look ugly when you frown. And I don't want that shit around. Didn't know, I never told you. All big fake smiles in California. Yeah. If you say you all good, even when your heart hurt, California poking out your posture. No, you looking real good. No, you don't feel good. Your pain be looking better when it's swallowed.
Cause no one's trying to funk with that frown about the function. We all just trying to boogie till tomorrow. So get it bottled up, babe. Self-pity is ugly and no one pulling dick with their sorrow. Pucker up, buttercup. No one's trying to hear you talk cause it fucking sucks. Hearing you whine all the time, touch your life like it's mine. Like your stories don't revolve around your childhood every time. Okay, okay, I got it, I got it. Papa was an asshole, mom's an alcoholic. No one really liked you, grade school was the hardest. Well, I think somebody might just have an answer for your problems. So then, don't you worry any longer. Don't you worry any longer. You look ugly when you frown, and I don't want that shit around. Didn't know. Fake smiles in California. Yeah. When you're down, when you're down, when you're down, you just make it all about yourself. Just make it all about yourself. When you're down, when you're down, when you're down, you just make it all about yourself. Just make it all about you. My father used to tell me there's children starving in Africa. So eat your food, nigga, you living, you should be happier. So your first world problems, darkest third world onyx. Sounding out with O's and E's like you're hooked on phonics. Blow harmonics, mental vomit, leaving trails like comets. Let's be honest, this is a sonnet about your lack of being honest with yourself. Here's some chronic, and your feelings is a luxury. Spoiled California never had a day of hustling. Don't you worry any longer. Don't you worry, don't you worry, don't you worry. I don't want that shit around. Didn't no one ever told you? Didn't tell you at all. It's all big fake smiles in California. Bon, j'ai installé tous les câbles derrière, j'ai essayé de tirer proprement, tu sais, avec des serflex, etc. J'ai mis le tube lumineux derrière. Bon, là, on est en plein jour. Il y a juste un ou deux fils qui passent dessus, ça m'énerve, je suis perfectionniste. Mais bon, en attendant, ça passe. J'ai rehaussé juste d'un ou deux centimètres parce que les pieds de la télé, tu sais, font que le tube, même si t'as des petits pieds, bah ça touchait, ça me plaisait pas. À voir, attends. On switch. Là, c'est le rendu en plein jour, sachant que le tapis, il est pas droit, tu vois, il faut que je décale un peu le tapis. Mais tu vois l'effet que ça fait. Et en fait, je peux lever ou descendre le tube, tu vois, et ça fait toute la longueur du meuble télé. Et je pense que le soir, ça va vraiment éclairer derrière. Installons-nous comme ça. Mais ça va être pas mal. Ça, c'est la table que j'ai trouvée de seconde main chez Ikea, qui rend hyper bien. Attends, viens. T'es toujours obligé. Fais tout tomber. Qui rend hyper bien. J'avais juste pas fait attention qu'une table noire avec un chien qui perd ses poils, il y en a partout, je suis obligé de passer un coup de Swiffer à chaque fois. Mais tu vois, j'ai mis mes plantes, j'ai les petits pieds qui sont dorés, ça rend bien avec le tapis de chez Action, j'aime bien l'effet. Et je pense que je vais enlever l'étagère juste ici, tu vois, pour essayer d'épurer. Et j'ai modifié aussi le canapé, tu sais, comme c'était un canapé de chez Ikea où je peux rajouter une méridienne. Bah en fait, si tu veux, j'ai mis la méridienne tout le long du canapé. Ça me fait un canapé de 3 mètres où on peut être à 6. Et en fait, ça agrandit un petit peu l'espace. Donc je suis plutôt satisfait, mais purée, il y a des poils partout, c'est catastrophique. Tu crois, je suis encore en fait en train de retourner à boulanger parce que je vais acheter la belle lampe de table que j'ai vue de chez Philips qui me fait de l'œil. Et ça, j'ai pas trouvé sur Vinted ni rien, donc je vais l'acheter neuve et je sais que je vais la garder longtemps. Mais en fait, c'est une gamme Philips que j'aime énormément. Je trouve hyper qualitative, même si c'est pas donné. Et bah, j'aime bien. Donc, écoute, on va se faire plaisir parce qu'on n'a qu'une vie et puis. J'essaye de faire en sorte, tu vois, d'acheter de seconde main, mais il y a des produits des fois que j'achète neuf parce que je suis obligé en fait. Donc, bon, allez, je te laisse, je prends la route. À plus tard, je te montrerai ça à la maison. J'adore en fait utiliser cette petite caméra que j'utilisais jamais auparavant parce que du coup,
Je peux t'emmener partout avec moi, elle est géniale. Je rentre tout juste de chez ma boulanger une fois de plus. Écoute, j'ai juste envie de faire une décoration qui me plaît et quelque chose qui soit encore plus cosy. Et je suis content. Elle est avec moi, je vais te la montrer. Je l'ai pas déballée hein, parce que je viens tout juste d'arriver. Je vais enlever mon manteau. Hop. Tada, on verra bien. Écoute, j'ai trouvé très belle. J'ai hésité entre du blanc et du noir et je suis parti sur du blanc parce que le bureau déjà est noir et je me suis dit trop de noir, tulle noir et comme ça change de couleur, ça va être plus sympa. Hein ? Mais ouais. Tu crois que c'est toujours propre chez moi, mais sincèrement, y a quand même un peu de bazar qui traîne hein, des fois, tu vois, on dirait pas. Hein. Merveille. Elle fonctionne sur batterie. Non mais c'est génial, tu clipses et elle se recharge. Alors je suis fan parce qu'elle est toute petite, avec la petite couleur verte juste là. C'est méga sympa. Je vais la mettre dans le coin juste là. Mamma mia. Regarde comme c'est super mignon. Oula, du coup j'ai le light strip là derrière, enfin le tube lumineux, la petite lampe de table qui est sur batterie, et ça c'est juste dingue. Et en plus, je peux modifier en appuyant dessus la couleur. Et créer des scénarios, etc. Je trouve ça génial. Je peux faire même limite ambiance petite bougie. Ça scintille, etc. C'est chouette. Ça me plaît bien. Tada! Attends, à la lumière. Je me suis fait une permanente. Permanent power, baby. Écoute, ça m'a pris sur un coup de tête. J'avais envie de changement. J'avais envie de me sentir bien et de retrouver mes boucles d'avant. Mais vraiment sur un coup de tête. Genre, je suis allé ce matin prendre rendez-vous. J'ai dit, vous avez de la place ou pas? On m'a dit, oui, pas de soucis, etc. Attends, je te pose. Donc, j'y suis allé, et écoute, je suis ravi du résultat. Je suis tombé sur un coiffeur extra qui m'a fait vraiment des boucles, mais vraiment ultra fines, tout en gardant un maximum de longueur que j'avais. En fait, ils étaient hyper longs, et si tu veux, bah, tout s'est rétracté, et ça me fait un volume de dingue. Donc là, je ne les lave pas pendant 2 jours, je vais faire attention. Mais méga satisfait, en fait. Ultra court sur les côtés, j'avais hésité, hein, mais finalement, à blanc, etc., dégradé. Mais j'ai l'impression de revoir mes photos et mes anciens vlogs, tu sais. Je suis hyper content. Ça me fait du bien au moral parce que dans ce que j'étais en train de filmer auparavant ce week-end, Marley est de moins en moins en forme. Je fais des allers-retours chez le vétérinaire et comme c'était le week-end, bah, c'est forcément tu sais, vétérinaire de garde, etc. Donc apparemment, c'était comme une sorte d'occlusion où il s'est coincé en fait une partie de l'estomac avec... un bourrage d'herbe et de feuilles, etc. Il va pas mieux aujourd'hui, donc là je retourne chez le vétérinaire tout à l'heure, certainement pour faire une échographie et voir ce qu'on peut faire. Donc je me suis dit, on n'est plus à 60 balles près, et j'avais juste envie de me sentir bien. Et au moins ça me fait du bien, donc je m'occupe de mon fiston. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas, mais... Là, je vais aller le sortir et puis je renchaîne sur mon dernier jour de repos pour qu'il soit soigné et qu'on sache vraiment ce qu'il a, s'il n'y a pas encore un truc de coincé, comme il fait que tousser. Je lui ai acheté un petit jouet en plus. Ma louloute, je lui ai acheté un petit jouet trop mignon chez Babou. Regarde. Elle est content. Et donc, on verra tout à l'heure. Hein, mon foufou. Ouais, ma maman, elle va prendre soin de toi. Donc, la suite au prochain épisode. C'est perturbant de me voir comme ça. Oh, il faut pas que j'élève pendant 2 jours. On va tenir le choc. On va faire attention à la pluie aussi. Bref. Est-ce que je me sentirais pas plus en confiance et mieux dans ma peau avec cette nouvelle permanente? Eh bien, je dirais que oui. Oh, ça fait tellement du bien. J'ai l'impression de me retrouver. C'est bizarre, hein. Comme quoi, les cheveux bouclés... On fait toujours ressortir ma personnalité un petit peu loufoque, un petit peu atypique, tu vois. Et ce côté décoiffé, vivant, me plaît, mais tellement.
ça fait du bien. Je suis en train de sortir Loulou là. Puis après, je vais aller chez le veto avec lui. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce tout petit vlog. Quelques petites balades. Un peu de détente, un peu de déco. Marley qui ronfle. Bref. Écoute, c'est ça que j'ai à te proposer en ce moment. Donc, tu vois, je me suis posé la question pendant un moment de « Oh, est-ce que mes vidéos, elles m'ennuient pas moi-même, tu vois ? Ou est-ce que c'est pas trop long ? Est-ce que c'est pas trop lent ?» Mais en fait, c'est simplement ma vie, tu vois ? Et j'ai pas envie de me forcer à faire plus. Parce que je filme, j'ai pas envie de me forcer à bouger ou... Ouais, des fois, je me dis que je devrais, tu vois, aller en bord de mer, filmer des séquences un peu sympas. Et en fait, je suis tellement casanier, je me sens tellement bien chez moi que bah, j'aime bien juste te partager ça. Et puis, je sais pas, moi, ça me fait quand même toujours des souvenirs. Donc, on en revient toujours au même point, tu vois. Et bizarrement, j'apprécie quand même. Donc, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Profitez de cet hiver cocooning, reposant, si vous le pouvez. Profitez des petits moments comme ça à la maison. Et puis, on vous dit à la prochaine. Yeah, yeah. Avec ma grosse boubou. Ok. Bye. Okay. Think it's about time for me to go in. Like, I dive deep. Like I'm last week night with the flow here. Johnny boy, my peeps. I'm an infotainment state. My brain ain't contained. Shit keeps spilling out. I'm belligerent and insane. My drink don't stay in place. That shit's in my mouth. I'm just two girls, one company. Keep it hipster like sucking.